9 Alpha Lima 001. En plus, 100%, Roderick. Écoute, moi, ici, là, Roderick, je reçois beaucoup d'interférences venant du FM. Si on irait à 737, j'aurais une meilleure réception de toi. Je te reçois partiellement à cause du FM, Roderick, à toi. Je sais. Bon, ben ici ça va être super parce que ma réception devrait être au top. Alors je vous ai couru après une bonne partie de l'avant-midi. Ça doit faire une heure ou deux. Et puis je sais que vous avez été sur 40 mètres. Moi ici 40 mètres c'est nul. Dans le jour, le 40 mètres, ça passe pas de l'autre côté de l'Atlantique. Rodrigue, à toi le micro, puis parle-moi où est-ce que vous êtes, ce que vous faites. À toi le micro, Rodrigue. OK, 100%. Et puis là, vous faites toutes les bandes, si je comprends bien, un peu partout, le 11, et j'en passe, OK. Et puis comment est-ce que l'antenne, c'est quoi les antennes? Parce que quand vous allez sur 40, ou c'est quelle sorte d'antenne vous utilisez? OK, 100%. OK. Puis pour les autres bandes, c'est quoi vous utilisez? Oh my God, ça doit être... Ben, Delta Loop, 40 mètres, c'est assez énorme. Hein? Bon, si tu utilises la Delta Loop ici sur 40 mètres, ben, j'ai une dipôle puis une Delta Loop. Puis elle est assez ben, élevée, 30-40 pieds de terre, ça, 40 pieds, ça donne combien, donc? 12-13 mètres environ du sol, mais moi j'ai des arbres, j'ai des pylônes que je peux l'accrocher. Voilà, OK, 100%, my God. Et puis, bon, en tout cas, comment ça a été? Vous avez fait beaucoup de QSO, ça a bien été? Puis il n'y a pas d'autres bandes que vous travaillez, comme le 15, le 20, tout ça, vous faites pas ça?
santé QSL? Parce que moi, j'ai déjà syntonisé ma Delta Loop sur 20 mètres. On peut syntoniser ça sur plusieurs bandes, hein? Les multiples comme le 10, le 20, le 40, le 80, c'est possible aussi, avec un accordeur d'antenne. C'est certain que le gain en prend un coup un petit peu, mais ça fonctionne. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la Delta Loop 40 sur 20 mètres? Avez-vous essayé ça? T'arrives bien. C'est du 55-56. Il y a eu des périodes que j'étais beaucoup plus costaud. Ça doit être à cause de la propagation. Parce que plus de bonheur, j'ai pris du SO avec quelques stations dans ta région, un peu plus au sud. Et puis, ça allait très, très bien. Les signaux étaient excellents, excellents. Ben, OK, Rodrigue, ben, merci hein, pour m'avoir fait entrer dans le QSO, dans l'activation. Et puis, comme vous êtes chez vous, ben, c'est dans la boîte. À ton micro, Rodrigue. OK, 100%. Ben oui, je vais, comme d'habitude, je vais trouver tout ce qu'il me faut. OK, alors, bon dimanche, bonne fin d'activation, et puis, my God, j'aurais aimé partie de l'activation d'Antoine, mais 40 mètres par ici, on va oublier ça, c'est moins bon que le 11. Rodrigue, OK, vous saluez tous les deux, et puis à la prochaine, bye-bye. Est-ce que vous êtes QRT? Thank you.
Antoine. OK, Antoine. Il y a Mike, Mike qui me fait de la traduction quand... Ben, c'est pas pire. C'est ça. Ben oui. Mike, il s'occupe de mon éducation. Et puis, il me disait que tu parles un peu ski. Voilà, OK, 100%, tu parles de ski un petit peu. OK, Antoine, OK. Mais t'as pas pensé tenter sur 20 mètres le 15? Tu peux synchroniser ton 15, OK? Mais comme je le disais à Rodrigue, je pense qu'on a ton delta d'eau 40 sur 20, ça devrait être assez facile à synchroniser. Mais là, en tout cas, si jamais vous allez sur 15 ou 20, ben je vais suivre, hein, puis ben oui, j'ai bien hâte d'écouter ça, voir ce que ça va donner ici sur 15 ou 20. OK, 100% Antoine, alors merci hein, pour le QSO, pour le coucou, et puis encore une fois, beaucoup de plaisir sur la bande. OK, Rodrigue, 73, ça a été un plaisir de te réécouter, puis Antoine aussi. Et puis, je vais démarrer l'écoute sur Facebook pour voir si vous faites un changement à un moment donné. OK, bye bye tout le monde. Et puis, bonne fin de semaine. Bye bye.